Stephanie McMahon semble tout avoir et sa carrière au sein de la WWE est légendaire. Elle est à la fois mère, femme d'affaires et était l'une des principales dirigeantes de l'entreprise. Être un haut dirigeant a cet avantage, mais Stephanie a pris de nombreuses décisions discutables au fil des ans. C'est pourquoi la WWE souhaite vous faire oublier certains moments peu glorieux de la carrière de la princesse aux milliards de dollars. Vous êtes curieux? Découvrons-le. En 2002, la séparation des marques est à l'ordre du jour. Stephanie est la babyface general manager de SmackDown, tandis qu'Eric Bischoff est le heel general manager de Raw. C'était la première année de l'extension de la marque, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour donner l'impression que Raw détestait SmackDown, et vice-versa. Les deux équipes se sont affrontées pendant quelques mois, alors que les fans s'habituaient encore à avoir deux équipes distinctes. La partie que la WWE voudrait que les fans oublient est un moment très gênant que les deux ont partagé lors de l'épisode d'Halloween de SmackDown. Stephanie était déguisée en sorcière. Les catcheurs étaient tous vêtus de costumes différents. Et quelqu'un était également habillé avec un masque de Vince McMahon. Il était question que Scott Steiner signe avec Raw ou SmackDown. Et le gars avec le masque a dit que Steiner signerait avec Raw. Le masque a été enlevé pour révéler Eric Bischoff. Stephanie a essayé de le gifler, mais il l'a embrassé de force. Au début, elle a essayé de s'y opposer. Puis elle l'a apprécié. C'était un baiser de 15 secondes sur son bureau dans le bureau du général manager. Quel drôle de rebondissement dans l'histoire. Le RAW suivant, rien n'a été dit à propos du baiser. Je suis sûr que la WWE aimerait que nous l'oublions. Le moment suivant a également été marqué par la présence d'Eric Bischoff. Avec la nouvelle ère de catch et de professionnalisme de la compagnie, Stephanie et la WWE veulent que vous oubliez que cet incident a eu lieu. D'autant plus que Stephanie, mère de trois filles, n'aimerait probablement pas que celle-ci voie cet incident. L'angle s'est déroulé à Unforgiven en 2002. Comme nous l'avons mentionné, Stephanie et Eric Bischoff étaient en conflit en tant que general manager de SmackDown et Raw, respectivement. Lorsque l'équipe de Stephanie a perdu contre l'équipe de Bischoff, Stephanie a été forcée de participer au « Girl Time ». Deux filles sont entrées sur le ring. Eric Bischoff a fait sortir Stephanie. Elle taquinait Stephanie en frottant son corps, mais il n'y avait rien de trop graphique. Eric Bischoff a renvoyé les deux filles. Il voulait donner à Stephanie l'expérience la plus misérable de sa vie. Eric Bischoff a fait apparaître Rikishi dans une robe violette, ce qui a donné la chair de poule. Nous sommes sûrs que ni la WWE ni Stephanie ne sont fiers de ce moment. La relation entre Triple H et Stephanie McMahon dans la vie réelle a commencé d'une manière encore pire que dans l'histoire, en impliquant une tierce personne. La 9e merveille du monde, China, a été intronisée au Hall of Fame aux côtés de DX, mais les fans réclament depuis des années qu'elle soit intronisée seule. Malheureusement, il est peu probable que cela se produise un jour. En effet, elle était l'ex-petite amie de Triple H, qu'elle a fréquenté alors qu'il était lié à Stephanie dans une intrigue, et qu'il a trompé China avec Stephanie. La défunte China était une grande star de la WWE pendant l'Attitude Era. China catchait contre les hommes du roster et paraissait capable de les vaincre. Cela a fait d'elle une grande star, et elle a contribué de manière significative au succès de la WWE à l'époque. Le problème, c'est que Triple H sortait avec China à l'époque. Stephanie et Triple H étaient ensemble dans le dos de China, créant ainsi l'un des triangles amoureux les plus désordonnés de l'histoire du catch. Triple H et Stephanie ont développé leur alchimie en étant un couple romantique à la télévision, et leur relation a évolué en dehors de l'écran. Tout le monde pensait qu'ils étaient simplement amis, en raison de leur relation professionnelle. Mais ils ont commencé à s'impliquer dans leur vie privée. Leur vie à tous a changé radicalement à cause de cette situation. La WWE n'a jamais voulu reconnaître que les deux personnes censées diriger la société pendant de nombreuses années avaient commencé leur relation en trompant un autre catcheur. Malheureusement, cela a également conduit à la fin de la carrière légendaire de China à la WWE lorsqu'elle a découvert que Triple H avait commencé à la tromper avec Stephanie McMahon. Dans une interview de 2011, China a raconté comment elle avait découvert que Hunter et Stephanie sortaient ensemble en 2001, alors que China était encore à la WWE et sortait avec Hunter depuis plusieurs années. « C'était mon amour, c'était ma carrière. J'avais besoin de savoir parce que je ne voulais pas perdre ma carrière. » Il n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas le cas, mais il a changé d'attitude. « J'ai fouiné. » J'ai trouvé une lettre d'amour de Stephanie datant de l'année précédente. Je savais donc qu'il s'agissait d'une liaison d'un an. Dans les 5 minutes qui ont suivi, j'ai appelé Vince.
et il m'a dit en substance « Ok, eh bien, la fête est finie ». China a également raconté comment elle a essayé d'en parler à Stephanie et Vince McMahon. « Elle m'a emmené dans la pièce, nous avons parlé et elle a dit « Eh bien, je l'aime, c'est mon homme, je suis désolé que tu te sentes comme ça ». Et j'ai dit « Tais-toi, appelle ton père parce que je vais t'étrangler. Si tu te sens comme ça, reprends-toi en main ». Puis Vince est arrivé et m'a dit « Faisons un nouveau contrat ». Je sais que c'est dur pour toi, mais ça va aller. Puis je suis rentré chez moi et j'ai reçu un fax disant qu'il n'avait plus besoin de moi. Voici comment Stéphanie l'a expliqué lors de son passage dans l'émission d'Howard Stern en 2002. Il était amoureux d'elle à l'époque, mais les choses n'allaient pas très bien quand je suis arrivé. Au moment où nous avons commencé notre histoire à l'écran, nous nous sommes bien entendus. Je sortais aussi avec quelqu'un d'autre à l'époque qui pensait que j'étais amoureuse de Triple H, mais je ne le savais pas. On n'entend plus jamais le nom de China à la télévision. C'est probablement parce que Hunter et Stephanie ne veulent pas que son nom soit jamais mentionné. Si vous regardez le DVD « Thai Kingdom Come » de Triple H, il ne mentionne pas que Hunter sortait avec China quand il s'est mis avec Stephanie. C'est comme si China n'avait pas existé. La carrière de China était ruinée et sa vie était en désordre suite aux événements avec Stephanie et son ex-petite amie, Triple H. Tout a commencé lorsque China a commencé à soupçonner Hunter de la tromper. Bien qu'il lui ait demandé plusieurs fois si c'était vrai, Hunter n'a jamais voulu l'admettre. Bien que dévastée, China se présentait au travail le lundi, mais Vince lui disait de rentrer chez elle et qu'ils allaient lui trouver un nouveau contrat. Peu après son retour, elle reçoit un fax indiquant qu'ils n'ont plus besoin de ses services. China reproche à Stephanie et Hunter de diriger sa vie et en parle dans son autobiographie. La WWE souhaite certainement que tout le monde oublie cette histoire. La WWE a cessé de négocier un nouveau contrat avec elle après qu'elle a réalisé ce qui se passait dans son dos. China a perdu son petit ami et sa carrière en même temps. Tragiquement, nous ne la verrons plus jamais revenir dans la compagnie. Le fait qu'elle ait souvent critiqué Triple H et Stephanie en public, ainsi que son abus de drogue, les a amenés à la mettre sur la liste noire de la compagnie jusqu'à son dernier jour. Le fait qu'elle n'ait jamais pu célébrer sa carrière est plutôt triste. La Billion Dollar Princess a volé son mari, Triple H, à China. Triple H était alors fiancé à China, mais cela n'a pas empêché Stephanie d'obtenir ce qu'elle voulait. Et à propos de Stephanie qui aurait toujours obtenu ce qu'elle voulait, la prochaine entrée de notre liste est l'une de ces choses qui pourraient être vraies. Mais il n'y a probablement aucun moyen de savoir ce qu'il en estimate. Macho Man, Randy Savage, est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps et il est toujours aimé par de nombreux fans. Tout au long de sa carrière, les relations entre Mr. McMahon et Savage ont été tendues pour de multiples raisons. Une rumeur circule depuis toujours. Lorsque Randy Savage a quitté la WWE à la fin de l'année 1994, c'était en partie parce qu'il avait eu une relation avec Stephanie McMahon à un moment donné. Stephanie a eu 18 ans en septembre 1994, donc si la liaison avait eu lieu avant, elle aurait été mineure. Ce qui est bizarre, c'est que Savage avait 25 ans de plus que Stephanie. Savage est l'un des rares noms de l'histoire à avoir quitté la WWE pour la WCW et à n'avoir jamais été ramené à la WWE. Vince McMahon a fait revenir des gens comme Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall et même Eric Bischoff, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour tuer la société de Vince. Pensez à tous ceux avec qui Vince a eu des relations exécrables, comme Bruno Sammartino, Bret Hart, Ultimate Warrior et bien d'autres, qui ont été accueillis dans la famille de la WWE. S'il a pu les faire revenir avec tant d'autres, pourquoi pas Savage? Il devait bien y avoir quelque chose. Selon certaines informations, Vince n'a jamais voulu faire affaire avec Savage. Est-il vraiment si fâché qu'il ait quitté sa compagnie ou s'agit-il d'une affaire personnelle? Comme on l'a dit, Vince a travaillé avec des gens qu'il avait déjà quittés. Cela fait partie du catch, c'est pourquoi on peut penser qu'il y a quelque chose de plus. Comme Savage est décédé en 2011 et que Stephanie ne dira jamais rien à ce sujet, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. Que cela se soit produit ou non, la WWE souhaite simplement que cette rumeur disparaisse. Il y a quelques années, des fans ont scandé « Randy Savage » pendant que Stephanie recevait son prix « Legacy of Excellence ».
Ce qui aggrave encore la situation, c'est le fait que la WWE reste silencieuse à ce sujet, ce qui amène les fans à croire que la rumeur est bel et bien fondée. Ceci, combiné au fait que Macho Man est pratiquement sur la liste noire de la WWE, amène les fans à s'interroger sérieusement sur la situation. Nous ne sommes pas sûrs que les rumeurs disparaîtront un jour. Bien que de nombreuses personnes en coulisses aient juré sur leur vie que cela s'est produit, la WWE est restée extrêmement silencieuse sur le sujet. Cependant, le moment suivant est celui où Stephanie McMahon aurait dû rester silencieuse, mais ne l'a pas été. Stephanie McMahon peut être considérée comme une femme d'affaires avisée, mais il lui arrive de se mettre le pied dans la bouche. Stephanie a un jour tweeté ce qui suit. « La philanthropie est l'avenir du marketing. C'est ainsi que les marques gagneront. » Froid, nous sommes sûrs qu'elle regrette d'avoir tweeté cela. Parfois, on pense que ce que l'on fait est bien alors que ce n'est pas le cas. C'est ce qui s'est passé à l'instant suivant. Gagner un championnat devrait être quelque chose de prestigieux, mais gagner un titre lors de son premier match diminue la crédibilité de ce titre. C'est exactement ce qu'a fait Stephanie en remportant le titre contre Jacqueline dans le main event de SmackDown. C'est quelque chose que vous ne verrez certainement pas se produire aujourd'hui, surtout avec l'état de la division féminine. C'est certainement un parcours de champion que la WWE et Stephanie veulent que vous oubliez. Stephanie McMahon contre Jacqueline lors de l'édition du 30 mars 2000 de SmackDown. C'était même son premier match dans l'histoire de la WWE. Stephanie avait Triple H et le reste de DX dans son coin. Elle a été mise dans le match par son père, Vince McMahon, qui était brièvement une babyface à l'époque. C'était une façon pour Vince de la punir. Le match a été très court, car l'arbitre a dit à Stephanie qu'elle devait monter sur le ring. Triple H a distrait l'arbitre, X-Pac a fait trébucher Jackie, et Tori est monté sur le ring pour frapper un DDT. Stephanie a couvert Jackie pour gagner et devenir la nouvelle championne des femmes. Pas trop mal pour des débuts. Mais avant le catch, Stephanie a fait des débuts controversés à l'écran à la WWE. La WWE a pensé que la crucifier en direct à Raw était une bonne idée. L'intrigue commence par une querelle entre The Undertaker et son père, Vince, mais elle s'intensifie par la suite lorsque le Taker harcèle Stephanie. Nous en savions peu sur elle, et elle jouait le personnage doux et innocent, la fille de Mr. McMahon. C'était une période où l'Undertaker était une figure satanique qui faisait des choses comme sacrifier des gens. Ses débuts devaient contribuer à alimenter la querelle entre Mr. McMahon et l'Undertaker. Dans le cadre de l'intrigue, l'Undertaker et sa faction ont traqué Stephanie et l'ont kidnappée à Backlash. La nuit suivante, il l'a crucifiée et a essayé de l'épouser. Lors de l'édition du lundi 26 avril 1999 de Monday Night Raw, Stephanie McMahon, hurlante, a été amenée sur le ring par les hommes de main de l'Undertaker, Viscera, Midéon, Bradshaw et Farouk, sur un symbole en bois de l'Undertaker. L'Undertaker a dit à Vince McMahon qu'il était responsable de ce qui allait se passer. Paul Bearer devait marier l'Undertaker à Stephanie McMahon en tant que mari et femme dans une union impie des ténèbres. Des gens comme Ken Shamrock et Big Show ont essayé de s'interposer, mais ces tentatives ont échoué. Heureusement, Stone Cold Steve Austin est arrivé et a sauvé la princesse milliardaire de 22 ans. Il a battu l'Undertaker, libéré Stephanie McMahon et mis fin à la cérémonie. Austin ne l'a pas fait parce qu'il était son ami ou quoi que ce soit d'autre. Il l'a fait parce que c'était juste. Stephanie a serré Austin dans ses bras pour l'avoir sauvé, ce qui était gênant car Austin n'a jamais été du genre à faire des câlins. Puis Vince McMahon est venu la serrer dans ses bras et il a remercié Austin. Un mois plus tard, nous avons découvert que Vince McMahon était la puissance supérieure dans l'intrigue, ce qui signifie qu'il savait ce que l'Undertaker voulait faire avec sa fille et qu'il était d'accord avec cela. Cela montre à quel point le personnage de Vince McMahon était diabolique. En ce qui concerne le Vince McMahon hors écran, il ne voulait pas que cet enfant ait des relations amoureuses avec des catcheurs. Shane et Stephanie McMahon n'étaient pas autorisés à sortir avec les talents, et Shane a toujours respecté cette règle. Au même moment, Stephanie a enfreint cette règle en entamant une relation avec Triple H. Vince McMahon aime être considéré comme un leader décisif. Le fait que sa fille se soit rebellée contre ces règles n'est pas quelque chose qui aurait pu plaire aux propriétaires orgueilleux de la WWE. Le fait que cette histoire soit devenue de notoriété publique rappelle également de manière négative les difficultés rencontrées au début de leur relation. Vince voulait qu'ils mettent fin à leur relation avant d'accepter qu'elle avait un sérieux potentiel à long terme parce qu'il connaissait bien Hunter. Le véritable amour peut naître du refus d'accepter les ordres de Vince McMahon. Cependant, après quelques réactions négatives de la part des catcheurs, Vince a décidé que ce n'était pas la meilleure chose à faire pour les affaires.
Malgré ses sentiments, Stéphanie et Hunter sont restés ensemble. Comme vous le savez déjà, le couple est aujourd'hui marié et père de 3 petites filles. Dans la vraie vie, Triple H et Stéphanie n'ont eu qu'un mariage traditionnel en 2003. Cependant, la relation à l'écran entre Triple H et Stephanie McMahon a commencé d'une manière très proche à l'attitude ERA. Chaque fois que leurs enfants leur demanderont comment leur histoire a commencé, la conversation sera très gênante et inconfortable dans le foyer Levesque McMahon. En 1999, Triple H a kidnappé et drogué Stéphanie lors de son enterrement de vie de jeune fille avant son mariage avec Test, un autre catcheur. Triple H a emmené Stéphanie dans une chapelle bon marché à Las Vegas, où il a célébré un mariage pour l'unir à The Game. Bien sûr, à la fin des années 90, la WWE pouvait s'en tirer à bon compte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cependant, si vous êtes une personne à moitié pleine, cet angle bizarre leur a permis d'apprendre à se connaître, puisque c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble et qu'ils étaient forcés d'interagir en raison de leur intrigue à l'écran. Je suppose que, d'une manière étrange, leurs enfants devraient être reconnaissants pour cet angle. La longue absence de Shane McMahon de la WWE a abouti à un retour réussi il y a quelques années sur SmackDown. Cependant, Shane n'a que très peu de pouvoir dans les coulisses. Il est bien en dessous de sa sœur et de son beau-frère. Il était écrit sur le mur que Vince McMahon choisirait Stephanie et Triple H pour diriger la société, plutôt que Shane. Selon certaines informations, une lutte en coulisses a finalement pris fin lorsque Shane a quitté la société pour lancer ses projets. Triple H et Stephanie l'ont emporté, forçant Shane à perdre tout pouvoir dans la gestion de l'avenir de la WWE. Shane montre encore une hostilité maladroite envers Triple H lorsque son nom est mentionné dans les interviews, ce qui prouve que la tension existe encore aujourd'hui. L'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis a créé l'un des moments politiques les plus controversés et les plus polarisants de l'histoire américaine. Nombreux sont ceux qui s'opposent fermement à lui, parce qu'ils le croient raciste, sexiste et xénophobe, et qu'ils le considèrent comme une personne détestable. Étonnamment, la WWE évite de discuter de la nomination de Linda McMahon à la tête de la Small Business Administration, administration des petites entreprises. Compte tenu de la marque mondiale et de l'exclusivité que la WWE s'efforce de présenter, elle est restée loin de toute référence à un quelconque soutien ou lien avec Trump. Triple H et Stephanie ont assisté à l'inauguration de son premier jour en tant que président. Ils ont posté des photos sur les médias sociaux, ce qui a été l'une des seules fois où la société a reconnu leur amitié. Vous ne les entendrez probablement plus jamais en parler en public, en raison de la colère que cela suscite chez de nombreux fans. Un homme qui gifle une femme dans le dos n'est pas quelque chose que l'on voit aujourd'hui à la WWE. Pourtant, il y a 20 ans, c'est ce que John Cena a fait à Stephanie McMahon, alors General Manager de SmackDown. À l'été 2003, Cena commençait à devenir une superstar populaire à SmackDown, grâce à son gimmick de docteur du Tuganomics qui lui a permis de gagner l'adhésion des fans. Il était cool, drôle et prêt à faire des blagues sexuelles à chaque fois qu'il parlait. Stéphanie parlait de son prochain match contre Sable sur le ring. Et lors de l'édition du 23 juillet de SmackDown, Cena est monté sur le ring pour parler d'elle. « Tu m'as mis au garde à vous. J'ai hâte de vous voir vous battre. » Il a fixé sa poitrine. Elle lui a fait relever la tête. « Désolé, j'ai perdu ma concentration. Je regardais vos cibles. À vengeance, j'espère que je découvrirai si les rideaux sont assortis au tapis. Il y a quelque chose en toi qui me permet de rester en contact avec moi-même. Sable n'est qu'une p***. Tu es une diva avec de la classe. Personne ne nous regarde, Steph. Pourquoi ne me laisses-tu pas gifler ? » Elle l'a mis au défi de le faire. Et il l'a fait. C'est le genre de choses qui n'arriverait jamais dans la version actuelle de la WWE. Le pouvoir de Stephanie McMahon a conduit 2 stars populaires à quitter la WWE ces dernières années. CM Punk respectait Vince McMahon, mais n'avait que des sentiments négatifs à l'égard de Triple H. La haine entre Punk et Triple H a duré de nombreuses années, jusqu'à ce que Punk démissionne finalement, insultant Triple H lors de sa dernière réunion avant de partir. La femme de Punk, AJ Lee, lui a emboîté le pas un an plus tard, en raison de ses tensions en coulisses avec Stephanie. AJ Lee était l'une des plus grandes stars féminines de la compagnie, créant un changement qui a aidé à construire la scène pour les femmes talentueuses de NXT, à sauter et à prendre le contrôle du roster. Lors d'un échange sur Twitter, AJ a traité Stéphanie d'hypocrite en ce qui concerne l'égalité des droits des femmes, ce qui a montré à quel point les choses allaient mal entre elles. AJ a finalement quitté la WWE à l'expiration de son contrat pour rejoindre son mari. Les décisions de Stephanie McMahon en matière de catch
sont celles qui ont suscité le plus de controverses au cours de sa carrière. L'ascension de Daniel Bryan au sommet de la WWE en 2013-2014 est l'un des accomplissements les plus remarquables de tous les temps. Les fans ont rallié Bryan à l'événement principal de WrestleMania 30 après qu'il ait été retenu par ceux qui dirigent la société. Stephanie et Triple H ont souvent fait référence à Bryan comme un « B-plus player » qui ne pouvait pas réussir dans l'image du main event de la WWE. C'était une partie légitime de leur processus de réflexion lorsqu'ils dirigèrent la compagnie. Stephanie, Triple H et Vince voulaient que Batista soit le main event de WrestleMania contre Randy Orton, en supposant que les fans accepteraient simplement que Bryan soit rétrogradé. La réaction des fans a forcé la WWE à changer de cap et à donner à Bryan le grand moment à l'encontre de l'instinct de Triple H et de Stephanie. Il est important de noter que même si Stephanie McMahon parle beaucoup, elle est aussi capable de marcher et d'être compétitive sur le ring. Elle a eu sa part de match et s'est entraînée pour les disputer. Le problème est qu'elle n'est pas une catcheuse active et que certains matchs lui ont été défavorables pour de multiples raisons. Certains matchs étaient tout à fait inattendus, comme un match « I quit » avec son père qui s'est terminé par un désordre au sein de leur famille. Dans ce match, Vince a frappé Stephanie avec un tuyau et l'a ensuite étouffée. Peut-on faire plus bizarre ? Enfin, elle a eu des matchs qui l'ont humiliée, comme lorsqu'elle a été attaquée par Brock Lesnar et qu'elle s'est retrouvée dans la boue après un match avec Vicky Guerrero. Lequel de ces moments, selon vous, la WWE veut-elle à tout prix nous faire oublier à propos de Stephanie McMahon ? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.